Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est triste. Je pense que je vous parle de la chose qui m'a rendue le plus triste de toute ma vie. C'est, je pense, l'épreuve la plus dure que j'ai dû surmonter. Et c'est ma fausse couche. Bon, fait que ça va faire un an et demi que j'ai fait ma fausse couche, environ. Ben bientôt un an et demi, ça fait pas un an et demi encore. Donc si vous faites le calcul, j'ai fait une fausse couche un mois avant de tomber enceinte de Jaden. Bon, donc j'ai jamais fait de vidéo juste sur le thème de ma fausse couche, mais justement il y a bientôt un an et demi, j'ai posté cette vidéo. Je pense que je l'avais appelée la semaine la plus émouvante de toute ma vie ou quelque chose comme ça. Ou une semaine pleine d'émotions. Bref, c'est comme ça que je l'avais appelée. Puis je savais pas à ce moment-là si je faisais une fausse couche ou non. Donc, je pense que c'est ce qui a été le plus dur, c'est de ne pas savoir. Donc, je vais vous expliquer ce qui est arrivé parce que c'est ça, j'en ai parlé après dans les vlogs. Mais j'en ai pas reparlé clairement qu'est-ce qui est arrivé, donc je vous explique ça maintenant. À la dernière semaine de mai, donc pas mai qui vient de passer, mais mai 2015, c'est ça, mai 2015, ça faisait un mois que j'avais arrêté la pilule, après des années, genre ça faisait quoi, 10 ans je prenais la pilule, là. Ça faisait vraiment longtemps, puis j'avais dit à ma médecin que je voulais tomber enceinte proche de mon mariage, donc que c'était l'idéal, tu sais. Et qu'elle m'avait dit, comme je me mariais le 10 juillet, elle m'avait dit, bon, on va arrêter comme fin avril, parce que ça se peut qu'il y ait un délai avant que tu tombes enceinte et tout. Donc, fin avril, j'ai arrêté la pilule. Fin mai, le jour de mes règles. Moi, j'étais vraiment au jour pile. J'avais toujours mes règles comme quasiment à la même heure. C'était tout le temps fixe. J'avais pas mes règles, j'étais au travail, puis je trouvais ça vraiment bizarre. Je me sentais bizarre, j'étais comme ce soir je fais un test, c'est sûr. Genre, j'ai vraiment l'impression que je suis enceinte. J'avais même pas un jour de retard de règles. T'sais, c'était comme le jour même, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Là. Je savais, je le sentais. Genre, je trouvais ça bizarre, puis je sentais que j'avais quelque chose. Fait qu'on était acheté un test de Clear Blue, donc on est arrivé à la maison. Puis je m'en rappelle encore parce que la mère Anthony était là. La mère Anthony, elle habitait chez nous pendant comme 3-4 mois. Puis elle habitait chez nous à ce moment-là. J'ai été faire mon test et il était positif. J'étais enceinte comme... Ça donnait dans le fond 4 semaines. En fait, j'étais enceinte depuis la première relation que j'avais eue avec Anthony suite à l'arrêt de ma pilule. Fait que le sentiment comme... de bonheur que j'ai eu. Ce sentiment est descriptible. J'étais tellement heureuse d'être enceinte, comme je m'attendais pas à être enceinte si vite, comme vraiment pas là. J'étais tellement heureuse, Anthony était tellement heureux, c'était le moment le plus heureux de toute ma vie. Puis ben on l'a partagé avec la mère Anthony parce qu'elle était là. Donc on était tellement heureux. Ça avait pas de sens, mais j'ai aucunement pensé à ce moment-là que la possibilité de faire une fausse couche. Comme on dirait que c'est le genre d'histoire que tu te dis, ça arrive souvent aux autres. Tu sais, ça arrive aux autres, mais ça t'arrivera pas à toi. C'est comme si tu penses pas que ça pourrait t'arriver. Mais je peux vous dire que maintenant, à chaque fois que je vais tomber enceinte, c'est une crainte qui va me hanter jusqu'à au moins 20 semaines de grossesse. Faut le vivre pour le comprendre, je pense. Donc, c'est ça, tout allait bien. Hey, écoutez, je me disais déjà, j'étais sur Pinterest, je regardais les idées de chambre de déco. Moi, il n'y a aucune possibilité dans ma tête qui s'était dit « je pourrais faire une fausse couche ». Genre, j'ai jamais pensé à ça. T'sais. Dans ma tête, ça pouvait pas m'arriver. Mais... je m'étais quand même dit, je vais attendre 12 semaines avant de le dire sur YouTube, tu sais. Environ une semaine après, parce que c'était aussi un lundi, donc une semaine après, le lundi, j'avais des patients, là, j'étais à la clinique. Puis mon patient de 8 heures, mon premier patient, j'ai des crampes.
intense. J'ai vraiment mal au ventre. J'ai des grosses crampes, j'ai mal, ça fait mal. Et j'avais comme des sueurs, là, j'avais chaud, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. Fait qu'après mon patient, écoutez, je pouvais pas partir pendant mon patient. Donc après mon patient, je vais aux toilettes. Il y a du sang. Il y a quand même beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang. Je pleure. J'arrête pas de pleurer. J'écris à Anthony. Anthony est au travail. J'écris, je saigne. Et que j'ai peur. J'ai vraiment peur. Et que je me dis, ça y est, je fais une fausse couche. Mais là, écoutez, je suis au travail, comme entre deux patients, là. Fait que je sors de la toilette, mon ami est là. Puis là, je lui dis que je saigne. Puis elle me prend dans ses bras. Puis je pleure. Je dois retourner travailler. Je suis juste entre deux patients. J'ai mal au ventre, mais je dois retourner travailler. Il y a un patient qui m'attend. Fait que j'ai essuyé mes larmes. Je me dis, ok, je regarde sur internet, puis ça disait, il faut que tu remplisses comme une serviette sanitaire à l'heure. Écoutez, j'ai pas de serviette sanitaire. Comme, je retourne travailler. Je fais un autre patient. Je retourne aux toilettes. Et je saigne encore plus. Je saigne beaucoup. Je capote un peu, j'appelle Info Santé, oublie pas, je suis encore au travail là. J'appelle Info Santé, eux ils me disent, ben c'est ça, il faut que tu remplisses une serviette sanitaire à l'heure. J'ai pas d'idée comme si c'est une serviette sanitaire, c'est juste, je fais juste m'essuyer puis ça, il y a du sang tout le temps là. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je parle à la gestionnaire, puis elle me dit, ben là, Karine, comme, tu peux y aller, aller à l'hôpital là. T'sais, je me sentais pas bien, j'arrêtais pas de pleurer, j'avais des crampes vraiment fortes, puis je me sentais pas bien, puis je saignais. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé ma médecin de famille, je lui ai demandé si je pouvais avoir un rendez-vous d'urgence. Donc sachez que ma médecin de famille, quand tu as un rendez-vous, t'attends 4 heures, elle est jamais à l'heure, mais elle me dit ok, va te passer comme entre des patients. Que je pense que j'ai quitté vers 3 heures. Anthony, il était au travail, il finissait à 4 heures à Montréal, il travaillait. Puis mon père est venu me chercher, il est venu me porter à la clinique. Puis, tu sais, j'étais en pleurs là, j'arrêtais pas de pleurer là, j'étais tout seule dans la clinique de ma médecin, j'arrêtais pas de pleurer. Puis elle m'a vue, fait qu'elle m'a fait passer entre deux patientes. Elle a dit, est-ce que ça vous va si je fais passer, tu sais, Karine avant vous? Puis monsieur, il a dit oui. Donc elle m'a passé. Là, Anthony est arrivé entre temps. Je suis rentrée, je me suis étendue sur le jour de lit. J'ai écarté mes jambes, puis elle m'a dit c'est une fausse couche. Elle a rien touché, elle a juste vu le sang. Elle a dit c'est une fausse couche. Mais en fait, c'est plus un choc dans qu'est-ce qu'elle a écrit après sur le papier. Elle m'a dit tu vas aller à l'hôpital Maisonneuve, à l'urgence, tu vas passer en priorité. Elle écrivait genre prioritaire sur son papier. Elle a écrit avortement. Le mot avortement. Moi, le mot avortement, c'est le mot que je me dis quand quelqu'un décide qu'elle veut plus son bébé, puis qu'elle veut ne plus l'avoir dans elle. Mais c'est le mot qu'ils utilisent pour désigner une fausse couche comme naturelle, un avortement. Fait que. Elle écrit, elle demande de faire une prise de sang et de faire une échographie. Donc, je m'en vais à l'urgence à Maisonneuve. Donc, là, écoutez, j'ai quitté mon travail. Moi, je finissais normalement à 7 heures de travailler. Donc, je vais avec Anthony à l'hôpital à Maisonneuve aux urgences. Le papier, il vaut rien. Même s'il dit, si elle a demandé prioritaire, qu'elle a demandé une prise de sang, ça vaut rien. Il faut que le médecin là-bas me dise la même chose. Que lui, il propose la prise de sang. Donc, je passe au triage. Au triage, l'infirmier était super gentil. On s'entend que quand que t'es à 4 semaines de grossesse, t'es pas prioritaire. Mais pas du tout. Comme, il s'en fout, là. Ça arrive à une femme sur 5, une fausse couche. Une femme sur 5. C'est énorme. Donc, j'ai attendu. Donc, je pense que j'ai vu le médecin, je me suis écrit vers 10h30, 11h le soir. Donc, imaginez-vous tout le temps à attendre, à me dire je fais une fausse couche, je fais une fausse couche. Que j'espère juste que non. T'sais, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce que c'est parce que j'ai couru tout le mois? Est-ce que j'avais fait mon premier 10 km? Est-ce que c'est à cause que j'ai couru 10 km?
c'est quoi comme c'est quoi, pourquoi, pourquoi moi, pourquoi j'ai fait une fausse couche, pourquoi, genre pourquoi ça m'arrive. Donc je vois le médecin. Le médecin, lui, il nous parle à moi et Anthony. Là, je m'étends sur le lit. Il met ses gants. Et lui, il va voir à l'intérieur. Il va venir toucher pour voir. Je saignais, oui. Mais quand il a sorti sa main, ça saignait énormément. Énormément. Puis, il était plein de sang. Et qui m'a dit, c'est une fausse couche. On va te prendre une prise de sang, on va regarder ton taux d'hormones et tu vas venir dans 48 heures pour voir une autre prise de sang pour voir ton taux d'hormones. Il faut qu'il descende parce que sinon il faudrait que j'aille soit un curetage ou quelque chose. C'est pour voir si ça part par lui-même. Donc il m'a tout simplement dit que c'est ça que je faisais. Donc là, je rattache ma robe d'hôpital. Je m'en vais m'asseoir dans une autre section, tu sais, c'est pas à l'urgence. En attendant d'avoir ma prise de sang, je m'assois sur le genre de gros divan. Il y a du sang partout. Et que je demande un papier pour m'asseoir sur un papier parce que sinon je vais juste tout salir. L'infirmière me fait une prise de sang. Et que là, c'était un lundi. Le mardi, je m'en vais au travail. Je continue de saigner. Le mercredi, normalement je travaillais, mais il fallait que j'aille faire ma prise de sang, donc j'ai pas travaillé. À 8h le matin, faire ma prise de sang. Même j'étais là avant 8h le matin, là. J'étais là tôt. Mon mari était venu me déposer, j'étais toute seule. Lui, il travaillait. J'ai fait la prise de sang vers 8h. Donc là, je devais attendre les résultats de la prise de sang. Normalement, il fallait que je voie le médecin avant midi, mais... j'ai pas pu, donc j'attendais, mais je sais pas, il était débordé. Bref, je l'ai vu à 1h après le dîner. L'espoir. J'ai vu le médecin, il était super gentil. Puis là, il dit, c'est embêtant, ton taux a doublé. Mon taux d'hormone, l'hormone de grossesse qui est présente quand t'es enceinte, a doublé. Normalement, en 48 heures, c'est censé doubler. Quand t'as un bébé dans ton ventre, mais là, on venait de me dire que j'avais fait une fausse couche, puis là, lui, il me dit, ça a doublé. Mais ton taux est bas. Donc, ça voulait soit dire, selon lui, que j'étais enceinte de moins de temps qu'on pensait, donc de moins de 4 semaines, ou je faisais une grossesse ectopique. Donc, dans le fond, que le bébé n'est pas à la bonne place, qu'il ne grossit pas à la bonne place. Donc, c'est vraiment pas bon, là, une grossesse ectopique. Mais c'est ce qui peut faire que le taux est plus bas. Donc, il me dit, je t'envoie tout de suite en urgence à l'échographie. Donc, par la suite, tu vas revenir me voir. Là, il faut se dire que lui, comme cette section-là de l'hôpital ferme à 4 heures. Donc, je vais tout de suite, je cours, là. Il me dit, cours, vas-y, vas-y. Comme, je cours jusqu'en échographie. Puis, ils m'ont passé entre des rendez-vous, mais j'ai passé comme dans les 3h, 3h30 environ, je pense. Donc, ils font l'échographie, puis c'est sûr que la technologue, elle peut pas rien dire, tu sais. Donc, elle regarde, mais elle me dit rien, tu sais. Donc, c'est ça. Il est passé 4h, donc mon dossier ne peut plus être où que le médecin était. C'est comme les suivis... bref, les suivis. Alors, je dois retourner à l'urgence. Et refaire tout. Comme tout. Attendre le résultat de l'échographie que je veux tant savoir. Donc, Anthony vient me rejoindre. Je crois que j'ai passé vers 11h le soir. À l'urgence. Mais écoutez, je suis là genre depuis tôt le matin. Je veux juste... savoir, est-ce que j'ai un bébé dedans moi? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que je fais une fausse couche? C'est quoi là? C'est juste plein de sentiments mélangés. Plein de stress. Vers 10-11h, je vois le médecin. Puis, le médecin, il me dit que... il écoute les...
l'audio, dans le fond, que le médecin qui a analysé l'échographie parle, il dit qu'il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui est quand même loin. Il voit qu'il y a quelque chose, mais il se dit c'est peut-être comme très... je suis vraiment moins de 4 semaines. Mais il sait pas. Mais il voit quelque chose. Donc là, le médecin, plein d'espoir, me dit que lui et sa femme, ils ont vécu la même chose. Puis que c'était pas une fausse couche, donc que ça se peut que ça soit ça. Que moi aussi, c'est pas une fausse couche. L'espoir que j'ai, tout simplement, est énorme. Parce qu'il voit pas qu'ailleurs, il y a pas de grossesse ectopique. Il voit pas qu'il y a un bébé ailleurs que, où il devrait être. Mais il voit qu'il est censé avoir un bébé, il y a quelque chose, comme un petit quelque chose. Donc, il me dit, dans 48 heures, tu vas revenir faire une prise de sang, puis on va revérifier tout ça. Donc, je pense que je suis revenue le lendemain soir. C'était pas comme 48 heures, mais c'était correct là, pour venir prendre la prise de sang. Dans mes souvenirs, c'est ça, je suis revenue le jeudi. Ma mère est venue avec moi, et elle est venue avec moi à l'hôpital cette fois-là. Puis, j'ai fait ma prise de sang, tôt le matin encore, vers 8 heures. Même chose, je peux pas voir le médecin avant midi. Moi et ma mère, on dîne à l'hôpital. Et là, après ça, je rencontre une médecin. Puis, elle me dit que le taux a pas augmenté. Qu'il est resté à peu près le même nombre. Donc là, je dis ok, mais à l'échographie, on avait vu peut-être quelque chose comme c'est quoi en fin de compte. Elle dit ben là, le taux il a pas augmenté. Puis il m'avait fait que j'aille une échographie aussi, le médecin. Donc là, j'ai été faire une autre échographie. Cette fois-là, elle a été plus difficile. J'attendais avec ma mère dans la salle d'échographie, puis ben avec des femmes enceintes, avec des femmes qui ont des gros ventres. Des femmes, tu sais, qui ont leur bébé, là. Puis moi, je l'ai pas, mon bébé. je trouvais ça... je trouvais la vie injuste. C'est pourquoi la fille, là, elle a le droit d'avoir son bébé, puis moi, je l'ai pas. Comme, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, je vais pour faire l'échographie. J'étais avec ma mère, je demande si elle peut venir. La technologue, elle fait l'échographie. Elle me dit... Puis j'ai oublié de spécifier, les deux fois j'ai fait une échographie endovaginale. Il me semble que c'est ça le nom, je suis pas sûre, mais pas juste sur le ventre. Là. Ils viennent à l'intérieur pour voir parce que c'est petit. 4 semaines. Donc là, après la médecin elle arrive. Elle vient voir, puis elle dit y a rien, y a rien. Pourrais-tu dire ça mieux, s'il vous plaît? Y a pas de bébé. Ok. Un peu de compassion. Je sais que c'est ce qu'il doit dire, mais. C'est la façon que c'était dit, j'ai trouvé ça comme si de rien n'était là. On entend mon fils derrière. Il est avec son père, on passe. C'était comme si de rien n'était là, genre c'est la vie, il n'y a rien, comme passe à autre chose. Ouais, facile à dire. On me dit de revenir pour une prise de sang la semaine prochaine parce qu'il faut que mon taux d'hormones baisse, sinon je vais devoir avoir un curetage. Je suis revenue la semaine d'après et mon taux était rendu à 10. Donc, il y avait vraiment beaucoup diminué. C'était correct. Donc, c'est ça. Il était parti par lui-même. Donc, comme je pourrais vous dire, les semaines qui ont suivi, j'ai perdu du sang, beaucoup de sang. Puis, à un moment donné, c'était parti. Faut savoir que tout ça est arrivé moins d'un mois avant mon mariage. Donc, moins d'un mois avant un mariage, j'étais déjà beaucoup de stress, plein de choses à t'occuper. Puis là, je faisais une fausse couche en plus. Ouais. Donc, c'est l'histoire de ma fausse couche. La médecin, la dernière que j'ai rencontrée, qui m'a dit, bah, c'est baissé à 10 ton taux d'hormones, donc ça va partir naturellement.
elle m'a suggéré d'attendre 3 mois avant de tomber enceinte ou d'avoir un cycle régulier de 7 jours de menstruation. Donc, ça me tentait pas d'attendre 3 mois, mais dans le fond, j'ai eu tout de suite après ma semaine de règles régulière le 1er juillet, 7 jours. Donc, je me suis dit à mon mariage, on va pas se protéger. Si je tombe enceinte, je tomberai enceinte. J'ai eu mes règles de façon régulière, donc mon corps, il est prêt à pouvoir recevoir un bébé. Puis je suis tombée enceinte de Jaden à mon mariage. Donc, si bébé Ange serait resté, Jaden serait pas là. Donc, c'est sûr que ma peine a vite été effacée car j'ai tout de suite eu Jaden. Je suis tout de suite tombée enceinte, même pas un mois après. Mais c'est quand même une peine puis une frayeur qui a hanté vraiment ma grossesse avec Jaden. On dit jusqu'à 12 semaines. À 12 semaines, t'es correct. Mais non, moi, là, à 12 semaines, j'étais pas correcte. Jusqu'à 20 semaines, j'étais pas correcte. Je me disais, je pouvais faire une fausse couche, puis on s'entend. Tu peux en faire une après 20 semaines. Mais jusqu'à 20 semaines, dans mon cœur, j'avais toujours peur de faire une fausse couche. Je regardais toujours si je saignais à chaque fois que j'allais aux toilettes. C'est quelque chose qui va me hanter, genre, toute ma vie. Une femme sur 5. Puis j'en fais partie. J'en ai fait partie. Je vous souhaite pas d'en faire partie, mais je peux pas m'en vouloir, j'ai rien fait de mauvais, c'est juste arrivé, c'est tout. J'espère que vous avez aimé que je vous partage cette épreuve avec vous, j'espère que vous n'allez pas avoir à en surmonter une ainsi. Si tu écoutes ma vidéo, puis que toi aussi tu viens de faire une fausse couche, je t'envoie plein d'amour, je sais que peu importe ce que le monde nous dit, il n'y a rien qui peut nous faire sourire. Il n'y a rien qui peut remplacer le sentiment qu'on ressent. Mais reste forte.